Vous êtes sur RTL. À 16h, et à propos de Pierre Perret, il a aussi chanté Le Zizi, et on compte bien sur les grosses têtes pour nous parler de tout ça, tout à l'heure à 16h. Jean-Marc est à Lille, il nous salue ce matin. Audrey nous écoute à Nemours, elle prend la route des vacances. On lui souhaite bonne route, et grande prudence et très bon congé. Il y a 16 degrés dans le sud de la Seine-et-Marne. Météo Marina dans un instant. D'abord l'horoscope. L'horoscope, oui, bonjour Christine Haas. Bonjour Caroline, et bonjour à vous tous. Cancer, Vénus apporte le deuxième décan de votre signe. Né après le 12 juillet, à vous la détente et l'harmonie, sauf qu'elle s'oppose à Saturne et qu'une relation crée du souci. Lion, né entre le 2 et le 13 août, vous serez sensible à Vénus jusqu'au 19 juillet, mais de manière très discrète. Vous vous poserez des questions sur vos sentiments ou sur ceux de l'autre. Vierge, Vénus étant bien placée, deuxième décan, la période qui s'annonce sera pleine d'agréables projets et surtout de moments amicaux qui seront un bon antidépresseur. Balance, deuxième décan, né du 3 au 13 octobre, vous aurez le sentiment agréable, mais pesant, que votre entourage est perdu sans vous et que vous êtes le ciment de la famille. Scorpion, vous aurez le meilleur de Vénus et même son opposition à Saturne ne vous fera ni chaud ni froid. Vous serez très sûr de vos sentiments et la confiance régnera. Sagittaire, vous avez dû lire un peu partout que cette année serait votre année grâce à Jupiter dans votre signe, mais on a peut-être omis de vous dire qu'elle était mal embouchée. Capricorne, vous recevez l'opposition de Vénus, deuxième décan, et elle serait propice à de chaleureux moments. À deux, si elle n'était pas opposée à Saturne, et plutôt solitaire. Verseau, la conjoncture est toujours agressive pour le premier décan, mais le deuxième ne sera pas non plus très satisfait des influx un peu trop instables sur sa vie sentimentale. Poisson, deuxième décan, en dépit des soucis que vous pouvez avoir avec l'autorité, les bons influx de Vénus vous inclinent au plaisir et à vous sentir apprécié par vos proches. Bélier, très stimulé, ceux de Mars doivent veiller à ne pas trop appuyer sur l'accélérateur, deuxième décan. L'opposition Vénus-Saturne vous dit qu'il faut vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Taureau, vous avez des chances, deuxième décan, que n'a pas le premier décan. Né du 1er au 11 mai, Vénus va agrémenter tous vos échanges et accentuer la complicité avec votre chérie. Gémeaux, vous serez frustré pendant quelques jours, deuxième décan, que ce soit par le manque d'attention de ceux que vous aimez ou pour une histoire d'argent. Bonne journée. Bonne journée, vous vous posez des questions sur votre vie amoureuse cet été. L'équipe de